À l'extérieur de l'église Saint-Jean-Baptiste, des palissades ont été montées par mesure de sécurité. La flèche menace de s'effondrer depuis la mi-décembre. Néanmoins, à l'intérieur, les fidèles de la paroisse libournaise ont pu assister à la messe pour l'épiphanie sur une zone délimitée. On est un petit peu triste parce qu'au niveau du patrimoine, c'est un patrimoine commun et qu'on soit pratiquant ou pas, c'est triste de voir nos églises qui ne sont pas forcément entretenues. On s'adapte, vous voyez, là, il y a un tiers de l'église à peu près qui doit être condamné au fond, au cas où, mais en même temps, le reste est vivant. Il y a l'entrée latérale, mais ça n'empêche pas les gens de venir. Donc, à mon sens, voilà, la vie continue et l'église reste ouverte. L'église de style néo-gothique a été rénovée plusieurs fois depuis 250 ans. C'est aussi le patrimoine municipal. La fissure constatée en décembre par des experts sur plus de 40 cm nécessite 4 mois de travaux. D'abord, un échafaudage de 80 mètres de haut qu'il va falloir monter. Et puis, il va y avoir 2 mois de déconstruction. Pierre par pierre, ces pierres seront conservées puisque c'est un bâtiment inscrit. Cette église sera reconstruite à l'identique. Une enveloppe de 200 000 euros est consacrée à cette opération délicate. Mais attention aux intempéries durant les travaux. L'église est fermée en cas d'alerte orange. Mais sinon, on a confiance à ce que l'église tienne encore et que la flèche tienne encore. L'église Saint-Jean-Baptiste de Libourne aura retrouvé sa splendeur au printemps 2020.